DCG, c'est le diplôme de comptabilité et de gestion qui confère un grade de licence et qui permet la poursuite d'études dans des domaines variés qui vont en principe vers l'expertise comptable, mais qui peuvent aussi aller vers des études juridiques, de management, de gestion. Page 14, je vous demanderai de répondre aux quelques questions qu'on pose sur M. Dizer. Dans les trois ans, en fait, le DCG, il y a trois grands pôles de matières. Il y a un pôle juridique, donc avec du droit, hein, introduction au droit, droit des sociétés, droit fiscal, voilà, sur les trois ans, hein, évidemment. Un pôle comptable et financier, avec de l'introduction à la compta, de la comptabilité approfondie, de la finance. Et puis un pôle un peu autour de la gestion de l'entreprise, donc de l'économie, du management, du contrôle de gestion. Ça fait des profils d'étudiants, quand ils sortent diplômés, ils sont relativement complets sur les différentes problématiques qui peuvent toucher une entreprise. Et c'est des diplômes qui sont recherchés aujourd'hui, hein, par les professionnels. Et le pourcentage de droits de vote qu'il aurait fallu calculer, comme on l'a fait à deux reprises au cours des exercices précédents. Le DCG est un diplôme qui est relativement exigeant. Donc il faut des qualités de persévérance. On est exigeant avec nos étudiants, mais parce qu'on estime qu'ils peuvent le faire. Venir à Gaston Berger faire un DCG, c'est la quasi-certitude de sortir au bout de trois ans avec un diplôme qui est reconnu sur le marché du travail et sur le marché de la poursuite d'études. Entre professionnels, quand même, le fournisseur a une obligation de conformité. Ça veut dire qu'il doit livrer des choses conformes et en quantité et en qualité, hein. Mais il n'y a pas la présomption qui existe, d'accord, comme on l'a vu en droit de la consommation. Alors j'ai choisi de faire un DCG après mon bac parce que je cherchais une profession et des études qui pourraient m'amener vite à avoir des applications concrètes de la vie. C'est-à-dire que j'ai fait un bac S. Les maths, j'adorais ça, mais parfois c'était un peu abstrait. Et donc je cherchais des études concrètes et le DCG m'apporte cette notion de concret. En effet, quand on arrive en première année, par exemple, on saisit des factures d'achat ou de vente qui sont qui font suite à des actes de la vie courante. C'est cette application concrète qui m'a attiré. Ce que j'aime bien dans la comptabilité, en fait, c'est une matière de chiffres. On est appelé à faire des saisies comptables, à faire des calculs, il faut être rigoureux. Et ensuite, il n'y a pas que la comptabilité, il y a d'autres matières comme le juridique, la fiscalité, la finance, qui permet de faire de la transversalité entre plusieurs matières. Et donc, du coup, l'expert comptable apparaît comme un conseiller pour ses clients. C'est notamment le droit là, qui me plaît beaucoup. L'économie, ça c'est intéressant également, et la comptabilité permet la rigueur que je recherche. Il y a aussi la relation de client qui est aussi très importante, c'est pour ça qu'on fait du management après. Et notamment aussi après, c'est très intéressant puisque ça change tout le temps en fait. On fait toujours des choses différentes en fonction des clients, etc. Donc, je voulais pas faire tout le temps la même chose non plus, quoi. Et c'était intéressant puisque il faut une certaine rigueur, il faut respecter la loi et en même temps, on applique la loi aux différents cas, etc. Et c'est ce changement qui était intéressant. Il veut faire une commande pour se réapprovisionner. Le fournisseur lui a indiqué qu'il pouvait accepter un chèque antidaté pour lui accorder un petit crédit en conservant une garantie de paiement. Une fois que le jeune a obtenu ce diplôme, le jeune a la possibilité soit de travailler, soit de poursuivre ses études. Alors s'il décide de travailler, il va se diriger vers les métiers de la comptabilité et du contrôle de gestion dans tout type d'organisation. Le taux de chômage sur les métiers du chiffre, hein, dans notre région, c'est 4%. Donc il trouvera forcément et très facilement un travail. S'il souhaite de travailler. Donc le marché est ouvert sans problème. Idéalement, nous préconisons une poursuite d'études en master. La voie royale, c'est le diplôme supérieur de comptabilité et gestion, donc le DSCG, qui prépare ensuite au DEC, au DEC, au diplôme d'expert comptable. Si le jeune décide de s'orienter vers autre chose que le DSCG, il peut aller sur des masters de management, de droit ou d'économie présentés par les universités.